Zabit, bonsoir, salut à tous et bienvenue. Et aujourd'hui on se retrouve les gars dans un. Waouh. C'est vraiment malade. Dans un face to face. Moi je me suis fait stop. Hein. Moi aussi par le truc ouais. Par le stop justement. Moi je ne me suis pas fait stop. Oh, t'as pas l'impression de copier mes activités ou? Alors, là, ça t'est pas tombé, genre! C'est le gars, c'est un face... qui a fait. Il fait un face-to-face stop! C'est pas ce qu'on vient de faire. C'est vrai, jours. Ça! Attends! Alors, attention, là, ça. C'est un face-to-face, mais garant, c'est pas pareil. Ah, ça change tout, dis donc! Bah oui! En fait, c'est un peu comme les Rocket Baltic Mystery Box. Voilà, c'est comme un Mystery Box et une Scramjet Box, tu vois. Pas mal, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. La salle, on fait pas de Scramjet Box, c'est vrai, ça? Parce que. Alors, il y avait un souci. Ah oui, c'est que la scramjet, en fait, t'as pas besoin de la rampe. Du coup, le jeu est beaucoup plus facile. Mais oui, c'est nul. Je te jure, c'est nul. L'idée, elle est nulle. Franchement, même si tu l'aurais fait, je t'aurais dit non. Parce que c'est vrai que ça sert à rien. T'as plus besoin de rampe. Tu sautes où tu veux. Et puis, en plus, au vu comment toi tu la maîtrises, ça sert à rien. Et puis, t'as les armes dessus déjà. Enfin, non, ça va pas. Même si ça, on pourrait les désactiver, bah, tu vois, c'est cata. Je crois qu'on peut les désactiver. Non, mais ouais, même... mais même, c'est n'importe. Tu peux esquiver en sautant, c'est cata. En fait, si tu m'avais dit. Mais, ouais, mais non, en fait, le souci, tu vois, par exemple, tu peux mettre la Toréador, mais elle est incontrôlable. Donc, ça poserait non, problème. Faut pas changer. La vigilante. La Batmobile, la Batmobile. Le problème, la vigilante, c'est que le boost dure pas longtemps, donc très difficile de bien viser. C'est pour ça qu'en fait, la Rocket Voltix, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Faut tester. Batmobile, je pense que ça peut être pas mal. C'est le meilleur, je pense. Ah mais le boost Torador, il dure pas longtemps. C'est dégueulasse, hein, tu peux pas gérer Torador. La vigilante, tu peux pas aller très haut. Comme le boost et ouais, vu qu'elle est rapide. Et ouais, vu que le véhicule est lourd aussi. Ouais. Bon, par contre, les gars, le Zaba. Ouais, tu te fais des gommes, tu fais 3 tours, hein, c'est horrible. J'arrête pas de tomber. Hein. Ouais, c'est 4 hein. Non. Bon bah ma course vient de se jouer là-dessus malheureusement les gars. Mon face to face est joué sur un face à face les gars. Ah ouais là c'est mort. Oh, il a voulu dire un face to face puis il s'est rattrapé en disant t'as vu ou pas. Un face à face. Un face. Bah ouais. Non ouais, c'est un face à face c'est pas. Ouais la salle. On va pas recopier jusqu'au bout hein. Bah c'est vrai que c'est face to face mais en vrai c'est face à face. Tu vas l'appeler face à face stop, c'est ça? Exactement. Ah, par contre, la salle, est-ce qu'on peut dire un truc? Face to face arrêt. Non, par contre, tu peux dire un truc à la salle, c'est que c'est toi qui a inventé le face to face. Ouais, mais il y a longtemps et pas de cette manière-là d'ailleurs. C'est vrai que c'était bizarre au tout début. Hein. Bah, le deuxième, il était pas mal en vrai. Hein. Ouais. C'est moi, c'est quoi qui manque à la salle? C'est les véhicules secrets. Je sais pas si tu te souviens. Secret de véhicule versus secret de véhicule. T'as fait ça et t'as déjà fait? Bah oui, j'avais déjà fait. Ah, oui. Quand je suis revenu, c'est l'une des activités qu'on a faites. Ouais, c'est vrai qu'il était. Il faudrait qu'on refasse plus vrai, c'était marrant ça. Hein. Bah maintenant, avec les nouveaux trucs qu'ils ont mis Rockstar, là c'est chaud. Faut tester. Ils ont bon, par quoi contre, les gars, je suis en buggy ramp. Je sais pas ce qu'il raconte. Oh là là, regardez. Je sais pas, c'était un jeu. Il est vraiment dans un autre monde, je crois. Il joue à un autre jeu. Mais non, ouais. Mais les gars, comment mais tu parles de quoi une de. Comment ça, avec les véhicules qu'ils ont mis Rockstar? Le Battle Ice, là, je sais pas quoi, là. Le Battle You, je sais pas quoi, là. Quoi? Ah, bah, il parle des mods, parce qu'on utilisait des mods pour ça, et du coup, il a dit, en gros, c'est compliqué avec le nouvel anti-cheat que Rockstar a acheté, là. Ah, mais nous, au début, Anune, on le faisait sans mod. Hein. Bah oui, là, je te parlais de ça aussi, moi. Bah ouais, mais non, aussi, on le faisait avec mod, je crois. Oui, non, mais on le faisait sans, non? Non, mais on l'a déjà fait sans, aussi, hein. Peut-être alors. En tout cas, la salle, tout ce que je sais, c'est que je suis 11ème et j'ai perdu toutes mes places. En fait, ce qui est bien quand on le fait sans mode, c'est qu'on peut faire participer les joueurs. Puisque nous, on peut pas mettre 15 véhicules, mais du coup, on peut leur demander, tu vois, de prendre tel véhicule et tout. Et du coup, on peut les faire participer. Moi, je pense qu'il faut faire un mode en mode l'histoire, tu vois. Je sais que tu as pensé. Au cas où, je suis choqué, j'ai vu des choses, je suis choqué. Non, moi par contre, ce qui est pas mal la salle, on peut faire un comme ça, mais genre on fait une équipe chacun, genre par exemple équipe l'une, équipe la salle, ou équipe 2, peu importe. Et genre c'est
En gros, bah, c'est les joueurs qui, tu vois, qui choisissent les véhicules. Mm-hmm. Nous, c'est pas ce qu'ils ont choisi. Et on découvre, tu vois. Ouais. Genre, en gros, par exemple, on va dire, allez, on va dire, imaginons, toi, t'as, dans ton équipe, t'as Peppa. Moi, dans mon équipe, j'ai Shaitan. Je vais dire, bah écoute, là, je vais prendre Shaitan. Et moi, je sais pas ce qu'il a Shaitan comme véhicule, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, c'est la découverte pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que eux, chaque équipe doit se concerter. Ils doivent se concerter entre eux. Parce que c'est interdit de prendre le même véhicule. Sinon, ils vont tous débarquer Phantom Wedge. Oui, bah oui, ça faut le faire aussi. Mais ça peut être un bon truc, là, ça. Tu sais quoi, le prochain concept, allez. Voilà, je trouve un concept. En tout cas, on a fait le concept de la salle juste avant. Donc c'est là... un peu ce qu'on vient de trouver, t'as juste expliqué en fait. Ah, mais voilà, tu vois, c'est... par contre, les gars, c'est catastrophique là, le Phantom Wedge là. Ah bon? Je sais pas, où, mais moi j'arrête pas de tomber. Hein. J'aurais déjà la oh voir. Oh non! On m'a dégomme. J'ai un dégomme, une Rocket Volsi. C'est moi! C'était moi! Je te déteste! J'essaie de rattraper, mais j'ai pas réussi. Waouh, c'est catastrophique le Phantom Wedge. Ok. Il descend dégueulasse, ça c'est vrai. Je me suis carrément dégomme, les gars. Ok. Oh non. En fait, le problème c'est que quand tu dégommes quelqu'un, il se tourne vers la gauche ou vers la droite. Oh, on a la Rocket Voltique. Hop, allez, toi tu vas avec moi. Rocket Voltique, ah ouais, mais vous êtes... ouais. Ah bah je l'ai aussi. Rocket Voltique, tu penses qu'il y a moyen de faire ça, les gars? Bah je pense, mais moi j'ai raté mon coup, donc je peux pas. Moi j'ai la Rocket Voltique, je suis passé, les gars. J'ai réussi à y aller d'un coup. Malheureusement, hein. Il est pas passé, les gars. On peut y aller d'un coup, hein. j'ai réussi. Hein. Bah j'ai tenté, moi non. Tu mets un petit coup comme ça, bam. Ouais, c'est bon, ouais, j'ai réussi, c'est vrai. C'est du vite fait. Ouais. Attends, j'ai là. Par contre, après, la voiture d'après... Elle va vite. Bah, elle est un peu catin. Hein. Mais ça va. Ok, je suis allé deux fois. Oh, j'ai la coquette des 10, les gars. C'est pas mal, c'est vrai. Non. Ouais, je l'ai aussi. Ah et ouais, après, les véhicules free crawler, après, vous allez péter un plomb. Ah ouais, à ce point. Sur la salle, bonsoir. Ah, je suis tombé. Aïe, j'ai fait un face-to-face avec quelqu'un, les gars. Ok. Par contre, il passe pas au milieu. Il y a un Zaba qui descend. Je te promets ça. Pedro, ouais, c'est Pedro. Moi j'ai un Freeballer et vous avez quoi? Moi j'ai un Freeballer. Moi je l'ai aussi, je crois, là je vais l'avoir. On a le Freeballer? Moi j'ai le Freeballer. Vraiment, le début ça m'a dégommé la course. Hein. Wow. Et après, on a le Roll Zaba du coup. Ah bon? Ouais. Il est horrible, Zaba, ça reste vraiment un véhicule moche. Hein. J'ai vu à quoi il ressemblait IRL, par contre c'est vraiment le même, hein, mais... Ouais... Dû au prix... Arrête. En plus, c'est que tu m'as stoppé plus qu'autre chose. C'est bien, tu vas pouvoir attraper, petit malin. Bah c'est ça, j'ai poussé tout le monde. Mais le Zaba, les gars, il coûte extrêmement cher IRL, et en plus c'est un véhicule, je crois, qu'il existe que dans les trucs pays soviétiques. Oui, moi j'ai fait une vidéo là-dessus, en plus. Eh bah c'est... Ouais, il est 4 à le véhicule. J'ai vu une vidéo, hein, où le gars il testait le Zaba et franchement c'est incroyable. Ah mais c'est dans les pays de l'Est. Il a un jardin avec une plaine et de l'eau, il en achète un quoi. Non. Ah, j'ai eu peur. Voilà le nettoyage après. Ouais. Regarde les roues, la salle, quand t'es en l'air, t'as vu comment il fait? On dirait il danse, regarde, tu vas voir. Regarde bien les roues quand tu descends droit là. Et que tu te soulèves un peu. On dirait il danse. Ah oui, ça... Ouais. On va vers l'intérieur. D'abord, je vais te ramener, vas-y. Non. Wow, c'est... Et qui t'a dégommé là? C'est moi, comme par hasard. Ouais, comme de par hasard. Il y a 4 Zaba, il y a que toi qui te fais dégommer. Oh. Par contre, on est tous en buggy là. Là, c'est gros rat qui essaie de venir vers moi. C'était qui ça? Oh là là, il y a un Zaba qui vole. Oh, je l'ai pris à l'atterrissage, les gars. Non, il est pas tombé, je suis deg. Wow. Non, c'est qui ça? C'est toi la salle? Non. Zabala, c'est toi. Ah, c'est moi, ouais. Formule 1.
Ok, bon Eden, si tu peux éviter de nous spoiler tous les véhicules. Depuis le début, il a dit alors, tous les non, véhicules. Non, 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 d'accord, ok. Mais Riri, si tu peux arrêter de nous spoiler sûr, tous les véhicules. Mais regardez, j'ai pas de chance. Je suis pas maudit sûr, mais je crois qu'il y a la Formule 1. Mais je suis pas sûr. Maudit, mais je suis maudit. On va te renommer en Riri, hein. Non, en vrai, j'arrête. C'est vrai. J'avais oublié que vous voyez pas. C'est que c'est tellement rare, tabarnak, que je sois devant, là. C'est la pire impression. T'es malade. Ouais. Après la Formule 1, moi je suis pas sûr, mais. Du coup, je dirais la Schlagen, là, je sais pas quoi, GT là. La Schlag. Mais je suis pas sûr. Ok. Attends, parce que là, je peux vous dire que je suis vraiment maudit jusqu'au bout. Je tombe avec des véhicules impossibles. Genre un buggy, c'est pas possible de tomber avec un buggy. Bah, je tombe. Du coup, t'es combien? 14, 13e. 15? Enfin, ça faisait longtemps que j'étais pas aussi nul dans un face-to-face. Hein. C'est des choses qui arrivent. Hein. Eh oui, il y a bon partout. La masse pas mousse, j'ai envie de dire. Moi, je suis 3ème. Bon, après, je suis pas sûr. J'aurais dit Rocket Voltic. Après? Ouais, après la Schlag. Le Schlag. Ah, bah, moi, je suis loin de la Schlag. Hein. Je suis seulement en Formule 1. Ok. Ah, ouais, mais je vois des gens descendre. Ah, ouais. Ah, vous êtes vraiment loin dans le game, quoi. Oh bah ça, on est loin. Ok, tout doucement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, la salle. Eh ben, on est en schlag. J'aurais dit après Rocket Voltic, peut-être le Caracara, mais je suis pas sûr. C'est bah quoi, Rocket Voltic en plus, ce gros rat. Mais non, j'ai dit je pense, je sais pas, c'est ça. Il y a un fantôme, les gars. Ouais, je sais pas. Donc je suis. Ok, guys. Ladies and ladies. Fumata. Par contre, dans la montée, un peu plus de boost, ça aurait été pas mal. Hein, parce que là... Ouais, franchement, il était radin, le gars. C'est ça, c'est un rat. On met 8 ans à monter, et voilà, quoi. Bah, je pense, à mon avis, c'est pour les véhicules. Waouh. Ouais. Après, moi, je sais pas. Je pense, genre... là, je suis... Ouais. 17ème point, moi, j'aurais dit Phantom Edge. Pour le coup. Et bah du tout à la salle, je suis 10ème, Eden je suis 10ème et je suis avec le Caracara effectivement. T'avais bien raison à la salle, Eden, hein. T'es fort hein, en termes de... Bah de j'ai essayé bien. De deviner tu vois, enfin... Ah mais t'es 2ème toi. Bah oui. Donc, première fois que t'arrives 2ème dans un face to face. Non, j'en ai déjà gagné. C'est vrai, bon t'as laissé gagner aussi, pour ton anniversaire. Oui c'est vrai. D'ailleurs Eden, tu m'offres quoi pour mon anniversaire, c'est vrai ça, je vous ai... Eden, je t'ai pas demandé ça. Et bah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu m'avais offert à l'ancien déjà? Je me rappelle plus. Je t'avais offert quoi? Ah bah oui, c'est une question, c'est une bonne question. Tu peux faire un massage avec une... Ah ouais, c'est possible. Hein. Il fait des cadeaux très étranges, celui-là. Ouais. Des cadeaux empoisonnés. Eden, je crois que tu t'avais... Pire qu'empoisonné. Wouah, je me fais c'est pas mon cadeau, la salle, confonds pas. Après, la salle, moi, je t'ai dit, j'ai eu une idée de cadeau que je t'ai offert à cadeau, il est incroyable, maintenant, faut le... Tous les jours... Non, mais vraiment, je vais te faire chier jusqu'à la fin. Moi, t'as intérêt à l'ouvrir avant 2 semaines, au cas où. Je vais quitter la vidéo, je vais aller l'ouvrir. Boum, mais boum. En vrai, non, je te jure, en vrai, vas-y, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouvre-le, on s'en fout de faire une vidéo en vrai de vrai. Allez. Mais ouais, non, mais vraiment, non, en vrai, si tu veux pas, tant pis, fais pas. Mais voilà, tu le feras, voilà. Eh bah, je fais. Non, vraiment, je te jure, bah, là, tu l'as ou pas la salle? Oui. Eh bah, voilà. T'as qu'à l'ouvrir dans ma vidéo de tout à l'heure. Je comprends pas. Moi, j'ai un cadeau devant moi. Je suis obligé de l'ouvrir. Comment t'as fait? Parce que toi, t'es un crevard, toi, c'est pas pareil. C'est normal, bah, bien sûr, moi, je suis un crevard, normal. Nuno, ouais, il ouvre même pas. Il est capable d'aller revendre le cadeau, lui. Hein. Non, et tu sais que la salle, j'ai toujours le. Wouah, j'ai failli rush kit. J'ai toujours le Phantom Edge que tu m'as offert il y a 7-8 ans sur YouTube. Le quoi? Le Phantom Edge. J'allais dire comment ça, tu lui as offert un Phantom Edge. Moi aussi, 4, pardon, le Phantom 4. Le drone. Qui se souvient dans les commentaires du Phantom 4, les gars? Tu sais que je l'ai encore. Tu t'es mis à poil sur Snap ou non, c'était quoi? Ouais, c'était ça, ouais. Ouais, il était fou. Hein. Ah oui.
En vrai, c'est bien, j'ai fait un bon bénéfice parce que tu me l'as offert pour mon anniversaire. Et il l'a bien revendu juste après. Non, parce que je l'ai renvoyé en réparation. Il était garanti. Et du coup, bah en fait, j'ai rien payé. Ils ont réparé la caméra et tout. Et c'était pas mal. J'ai failli te remplacer par contre. Hein. Et il est où ce fantôme aujourd'hui? Il est dans mon grenier, il marche toujours. Ah ouais, super.